Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus saludis Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, les textes liturgiques, Isaïe le chapitre 10, versets 5 à 7, puis 13 à 16, le psaume 58-13, puis l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 11, versets 25 à 27. Fils et filles du bon Dieu, dans la première lecture, les questions sur le seul maître de l'histoire. Si Dieu veut châtier son peuple, c'est pour le sauver, fils et filles du bon Dieu. Aussi, face aux puissances de ce monde qui servent l'instrument au Seigneur, le croyant ne doit-il jamais avoir peur, fils et filles du bon Dieu? Elles n'iront pas au-delà de ce que Dieu permettra qu'elles fassent, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi, sois toujours accroché au Seigneur. Les châtiments des situations difficiles que tu traverses aujourd'hui sont pour toi chemin de grâce et de bénédiction. S'il y a un châtiment dans ta vie, c'est pour te sauver, c'est pour ton salut, c'est pour ta bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu, par son prophète, fait une autre lecture analytique face à ce qui se passe. Oui, ce châtiment, cette défaite, c'est parce que le peuple a tourné son dos. Le Seigneur, fils et fille du bon Dieu, qui n'est plus de tout ordre politique, un rapport de force, mais d'ordre spirituel. Reviens au Seigneur et tu recevras la grâce extraordinaire, fils et fille du bon Dieu. Pour Isaïe, Sennacherib n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu pour punir des peuples qui avaient manqué de foi, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi accroche-toi au Seigneur. Tu recevras des grâces en abondance pour le punissement de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Nous voyons toute la différence qui peut exister entre une lecture seulement humaine et une lecture dans la foi du même fait. Fils et filles du bon Dieu, à travers ta vie, fais la lecture, non pas humaine, une lecture de la foi dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Nous ne sommes pas dispensés de faire d'abord l'analyse humaine des situations. C'est le premier temps, fils et filles du bon Dieu, d'une révision de vie. Mais il faut essayer d'aller plus loin, jusqu'à reconnaître l'action de Dieu dans les actions de Sennacherib, roi païen. Et nous, personnellement, ou en équipe d'action catholique, faisons-nous l'effort d'entrer dans une vraie révision de ce qui nous arrive. Une lecture de la foi, de notre vie, de la situation que tu traverses aujourd'hui. Fais une lecture de la foi. Aujourd'hui même, subjugués par ce passage prophétique, essayons de mettre à l'écoute, de nous mettre à l'écoute de l'Esprit pour interpréter dans la foi un événement d'actualité, une situation qui nous concerne, et prier à partir de ces faits. Prier avec votre vie, avec ma vie, ta vie, avec ton quartier, avec la lecture du journal, avec les informations de la radio, de la télévision, avec ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Mais cela, entre les mains de Dieu, c'est ce que faisait le prophète Isaïe, fils et fille du bon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur de l'univers fera périr ses vigoureux soldats. Parole du Seigneur, oracle du Seigneur. Que les puissants de ce monde ne s'imaginent pas qu'ils sont les maîtres absolus, non, fils et filles du bon Dieu, et qu'ils peuvent impunément écraser leurs semblables. Non, Dieu est là, fils et filles du bon Dieu. Nous entendons déjà à l'avance le Magnificat de Marie, les béatitudes de Jésus. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il élève ceux-là qui sont complètement perdus. Ceux-là qui sont complètement ceux qui sont dans des situations difficiles. Dieu est là pour toi, pour moi, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu, le chapitre 11, versets 25 à 27, le mystère de la vie divine. Cette prière de louange dite par le Christ introduit au cœur de la vie de Dieu unique.
Cette vie, seuls le Père et le Fils le connaissent et les seuls qui puissent le recevoir sont les hommes et les femmes qui s'ouvrent filialement autant pour moi au don de Dieu avec la simplicité des tout petits fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur commence à prier en disant, Père, Seigneur du ciel de la terre, je te loue, fils et fille du bon Dieu. À chaque instant, chaque matin, dès que tu te refais, la première chose, c'est de dire, Seigneur, merci. Merci pour le nouveau jour. Merci pour le souffle que tu renouvelles encore en moi ce matin. Merci pour la lumière que tu donnes, les oiseaux qui chantent. Merci pour la protection tout au long de la nuit. Oui, Jésus prie, il s'adresse à Dieu, il loue l'Éternel. Oui, c'est une prière d'action de grâce, une louange, un merci, fils et filles du bon Dieu. Jésus est heureux, son cœur est plein de reconnaissance envers le Père. Et nous également, notre cœur doit avoir plein de reconnaissance chaque matin pour dire merci au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Oh Père, je te loue. Avec Jésus, je redis cette simple et courte prière. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue. Fils et filles du bon Dieu, dis cela déjà en écoutant cette méditation. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue. Fils et filles du bon Dieu. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. L'objet de la reconnaissance, c'est cela. C'est que Dieu est caché aux orgueilleux et qu'il se révèle aux humbles fils et filles du bon Dieu. Si tes prières ne sont pas exaucées parce que tu te dis, moi c'est moi, tout tourne autour de toi. Non, sois humble, tu recevras la grâce de Dieu. Oui, le grand Dieu de l'univers est inconnu à de ceux qui se croient plus intelligents, plus savants que les autres. Et ceux-là qui méprisent les autres. Il ne faut pas faire le malin, moi c'est moi, ngaï. Non, fils et fille du bon Dieu, c'est au pauvre qui se fait connaître. De fait, Jésus a préféré habituellement aller chez les petits, les petites gens, fils et filles du bon Dieu, les hommes et les femmes de conditions modestes. C'est parmi eux qu'il a choisi ses premiers apôtres. On a l'impression qu'il s'agit d'une vraie préférence de Dieu. Ceux qui ne sont rien dans le monde, ceux qui sont négligés, rejetés, ceux que personne ne regarde, ce sont les préférés de Dieu. Ceux qui ne comptent pas aux yeux des hommes et des femmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. L'humble, puisque tu es humble, mais tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, Père, tu l'as voulu révéler, tu as voulu ainsi dans ta bonté. Jésus continue sa prière, fils et fille du bon Dieu. Dieu est surtout la bonté. Dieu est bon. Voilà pourquoi il veut que nous puissions être bons, bien dans notre vie, fils et fille du bon Dieu. L'expression de la bonté de Dieu s'exprime déjà ce matin. Ce matin, il t'a donné ce souffle. Ce matin, il t'a donné la grâce de te réveiller, fils et filles du bon Dieu. C'est la bonté de Dieu. Loue le Seigneur par ta prière. Loue le Seigneur par des gestes tout au long de cette nouvelle journée, fils et filles du bon Dieu. Le texte dit, tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. C'est celui à qui le Fils vient le révéler. Fils et fille du bon Dieu, oui, nous le savons bien. Dieu est difficile à atteindre. Personne ne l'a jamais vu sinon Jésus. Oui, il dit qu'il connaît Dieu et qu'il le fait connaître en chacun de nous, fils et fille du bon Dieu, à ceux qui acceptent de se mettre à sa suite, à son école. Jésus est là, oh Jésus, aide-moi, aide chacun de nous chaque jour dans notre vie à mieux te connaître, à connaître le Père et que ton évangile soit notre méditation de chaque jour, notre bénédiction de chaque jour. Oh fils et filles du bon Dieu, essayons de rentrer dans ce mystère afin que la grâce de Dieu demeure en nous, afin que le Seigneur puisse se révéler en nous, faisant uniquement la volonté de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou, le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Nkembo dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon, actuellement en vacances dans la paroisse Jésus ressuscité de la divine miséricorde du plateau de Quinzon dans l'archidiocèse de Brazzaville, c'est au Congo. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.
caveris. Preibi senim ante faciem Domini parare via seius. Adandam scientiam salutis plebi eius. In remissionem peccatorum Sera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto, illuminare isque in tenebris et in umbra mortis ere. Speres nostros in viam patiens. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc